C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur, de vos voeux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur, tout d'abord, épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos voeux sur des discours, on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit. Que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Si est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens ? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend, de vrai, certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? C'est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder et qu'il faut que je consente à vous tout accorder et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie,
si mon mari n'est point dans cette galerie? Qu'en est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme, entre nous, à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est fait pour la gloire. Je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Sorti de l'enfer.